Salut mes allumés de Pixel, j'espère que vous allez bien. On m'a souvent envoyé des mails pour me demander les différences entre les modes de mise au point AFC et AFS et surtout quand les utiliser. Nous allons voir ça en deux vidéos. Celle-ci est une prochaine totalement en lien avec les modes de mise au point mais qui sera dédiée au mode de zone AF. Allez, go! Quand vous faites des photos avec un réflexe, vous allez avoir plusieurs possibilités pour faire la mise au point sur un sujet précis. Avant de sélectionner un mode de mise au point, demandez-vous dans un premier temps si votre sujet va bouger ou rester immobile. Ensuite, vous pourrez choisir le réglage correspondant. Car faire un shooting packshot de gâteau en studio, euh, deux modèles en extérieur et photographier une voiture de course ne demandera pas les mêmes réglages en termes d'autofocus. Connaître et maîtriser les réglages autofocus est un impératif. Oui, toi là il faut connaître ces réglages, autant que maîtriser euh, le réglage de triangle, enfin les réglages de triangle d'exposition, sous peine d'avoir des photos floues dues au mauvais réglages de mise au point. En gros, le mode de mise au point va vous permettre de définir si en appuyant sur le déclencheur à mi-course ou sur la touche iPhone », votre réflexe va faire une mise au point unique ou si l'autofocus continuera de faire la mise au point tant que vous ne relâcherez pas le déclencheur ou le bouton iPhone ». Dans ma seconde vidéo, je vous parlerai des modes de zone qui sont tout aussi importants, car avoir le bon mode de zone de mise au point, euh, mais pas le bon mode de zone AF, peut aussi vous faire faire des photos floues avec une mise au point faite à côté ou pas assez précise. Donc sur les réflexes Nikon de l'entrée de gamme au plus évolué, vous allez retrouver les mêmes modes de mise au point. Alors, il y aura d'autres variantes, hein, mais on y viendra sur une autre vidéo. Là, on va vraiment se, se focaliser sur AFC et AFS. Alors, mais pour les régler selon les gammes Nikon, ça sera différent. Donc, pour tout ce qui est série D3000, D3100, euh, donc tous les D3000 et tous les D5000, 5000, 5100, 5500, je ne me rappelle plus ce qu'il y a comme, comme numéro, il faudra appuyer sur la touche I et sélectionner mode de mise au point grâce à la molette et valider avec OK. Euh, si euh, rien ne s'affiche, vous appuyez sur la touche Info pour afficher tout, euh, toutes les indications à l'écran. Pour les séries D7000 et tous les autres réflexes Nikon amateurs et éclairé euh, et professionnels, ça sera plus rapide car il vous suffira en fait d'appuyer sur cette touche et de sélectionner le bon mode en tournant la molette principale. Pour les séries Z, par défaut il faut appuyer sur le bouton FN2 ou sur celui que vous aurez programmé. Pour savoir comment faire, cliquez ici, là, euh, et vous verrez mon tuto sur comment utiliser les touches FN1 et FN2 sur vos réflexes série Z. Commençons par le mode AFS. Qui souvent fait ce bruit à la mise au point et qui sera utilisé pour photographier des sujets immobiles statiques ou ayant un mouvement très lent dans ce mode vous devrez pour refaire une mise au point précise sur votre sujet s'il a bougé ou si vous vous êtes déplacé et eh bien relâcher la pression sur le déclencheur et appuyer à nouveau à mi-course pour une nouvelle mise au point là je suis réglé en AFS je fais ma mise au point sur ma clé USB je la prends et la fais bouger vers l'objectif en prenant soin qu'elle reste dans la zone AF sélectionné, ici Wide L. Mais ma clé reste floue. Et forcément, car j'ai fait la mise au point quand elle euh, était au niveau du socle, ou plutôt capuchon d'objectif dans ce cas. Maintenant, euh, si je la place devant et que j'appuie à nouveau sur iPhone, je fais une nouvelle mise au point et c'est OK. En la reposant, je refais une mise au point et tout va bien. Même si j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, faites bien attention quand vous faites la mise au point à ce que l'objet, œil de votre modèle, etc., soit bien dans la zone AF que vous aurez sélectionnée. Regardez ici, j'ai fait ma mise au point sur la clé et j'ai pu faire cette mise au point car ma clé se trouve dans la zone AF qui est ce rectangle délimité en rouge. Si je prends soin de la bouger et de la laisser dans la zone AF rectangulaire et que j'appuie à nouveau sur iPhone ou sur le déclencheur à mi-course, selon votre réglage, et bien à chaque pression, la clé ou ce qui se trouve dans la zone AF deviendra net. Par contre, si je sors ma clé USB de la zone AF, vous voyez que le Z6 fait la mise au point au niveau du capuchon d'objectif qui me sert de socle. Et que du coup ma clé USB est floue. Tout ça est totalement normal. Si je la replace dans la zone AF et que je fais ma mise au point, c'est nickel. Vous aurez compris que pour faire une mise au point précise sur un sujet en AFS, il faudra que le sujet ne bouge plus une fois la mise au point faite. Ou sinon, vous devrez faire votre mise au point très souvent en appuyant sur le déclencheur à mi-course ou sur un iPhone, en relâchant et en réappuyant dessus, etc. On passe au mode AFC. Alors AFC indique à votre module autofocus que tant que vous laisserez le doigt appuyé à mi-course sur le déclencheur ou sur la touche AF1, si elle a été configurée en mode autofocus, la mise au point se fera sans interruption. Et donc si votre cible euh, est dans la zone AF sélectionnée, hein, la mise au point se fera non-stop et pendant ce temps vous pourrez prendre vos photos. Regardez là, je fais ma mise au point sur ma clé USB, ensuite je la prends et l'avance vers vous et la recule et vous vous rendez compte que la mise au point se fait non stop sur la clé car mon doigt reste appuyé sur la touche AF. Par contre, si ma clé sort de la zone AF, la mise au point est faite sur le capuchon d'objectif. Et si je replace ma clé dans la zone AF, la mise au point se fait à nouveau dessus. Un autre exemple en AFC. J'ai placé une autre clé USB en arrière-plan. Et la zone AF est en mode sélectif et donc bien plus petite. Si je place donc le collimateur de mise au point sur ma clé et que j'appuie en continu sur AF1, si j'avance ma clé dans la zone AF sélectionnée, elle reste nette. Par contre, si je la sors de la zone AF, eh bien mon Z6 fait la mise au point sur ce qui se trouve toujours dans la zone AF, mais plus loin en arrière-plan sur l'autre clé USB. Et si je replace ma première clé USB devant, la mise au point est faite à nouveau sur elle. Je vous montre dans cette vidéo faite dehors. Par contre, c'est en mode vidéo, hein, donc l'autofocus n'a pas la même vélocité qu'en mode photo. Euh, là, j'utilise le mode de zone AF Wide S. Donc, sachez que le collimateur de mise au point est au centre de l'image, mais que forcément, comme c'est le film que je vous ai filmé, euh, bah, vous ne le verrez pas. Peut-être que j'essaierai en post-production de le rajouter. Ici, en AFS, je fais ma mise au point sur la fleur, puis j'approche le réflexe de cette même fleur. Et vous vous rendez compte que bah, ma fleur est floue euh, tant que je ne réappuie pas sur iPhone. Maintenant, c'est bon. Si je recule, je suis obligé pour avoir une nouvelle mise au point d'appuyer à nouveau sur iPhone ou sur le déclencheur à mi-course si j'étais réglé comme ça. Maintenant, je fais la même chose en AFC. La mise au point va être lente car je suis en mode vidéo, mais c'est pour vous montrer. Là, j'appuie continuellement sur iPhone et vous vous rendez compte que la mise au point est faite en continu car ma fleur reste nette ou presque, mais c'est dû à l'AF en mode vidéo. Du coup, retenez bien que le réglage AFC ou AFS aura un rapport avec le mouvement ou non de votre modèle ou objet. Et les modes de zone AF, eux, indiquent à votre réflexe s'il va devoir faire une mise au point sur un endroit plus ou moins précis du cadre en prenant en compte une zone de mise au point plus ou moins large autour du point AF sélectionné. Mon tuto dédié au bouton iPhone, déjà cité dans cette vidéo, hein, vous permettra en restant en mode autofocus AFC et en utilisant la touche iPhone de soit laisser le doigt appuyé sur iPhone pour faire la mise au point de façon continuelle, ou une seule pression sur iPhone fera comme si vous utilisiez le mode AFS, le meilleur des deux mondes sur une même touche. De cette façon, vous ne perdrez plus de temps à changer vos réglages lors d'un shooting et à louper des images. Voilà, ce tuto euh, dédié au mode de mise au point. Est fini. J'espère que ça aura éclairé certaines lanternes. Allez, mes allumettes Pixel, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Alors restez chez vous et apprenez à vous servir de vos boîtiers photos. Bye!